Depuis tout petit, je me demande si tout ça a un sens. Aujourd'hui, une chose est sûre pour moi, le hip-hop a donné un sens à ma vie. Clairement, cette culture est au centre de qui je suis. L'utopie qu'elle véhicule et représente m'a maintenu en vie. J'ai la chance d'avoir traversé les époques, d'avoir été un témoin privilégié de son arrivée, mais surtout de l'incarner et la porter comme un étendard, là pour rallier toutes celles et ceux qui avaient besoin d'y croire. Ce livre parle de ça. Des hauts, tellement hauts que je m'y suis brûlé les ailes et aurais pu mourir 100 fois. Mais aussi des bas, ces puits sans fond d'où j'ai cru 1000 fois que je ne reviendrais pas. C'est mon histoire, ombre et lumière. Et à ce point de ma vie, je pense qu'il est temps de lever le voile, tomber le masque, dire qui je suis et les faits marquants. Même si j'en oublie sûrement. Des situations, des gens. La mémoire est sélective. En ces temps où tout le monde y va de sa version, je me suis dit qu'il était temps d'apporter la mienne. Pas pour ajouter à la cacophonie, ni tenter d'imposer ma vérité, mais pour partager avec vous la vision et l'énergie qui m'ont porté toutes ces années. L'enfance, la danse, le rap, les amis, les ennemis, l'amour, la peur, la folie, les opportunités, les occasions ratées, l'autodestruction, la résurrection, et peut-être... Après vous avoir lâché tout ça, enfin la paix. Tout ce qui m'a construit, comment je l'ai déconstruit, me suis détruit pour au final trouver la force de me reconstruire. Merci l'univers, merci la vie.